m'appelle Emma Méric, j'ai 15 ans et je monte de Nice des Îlots. Je m'appelle Ilona Mezadri, j'ai 14 ans et ma ponette c'est Calas Residal Z. Et je m'appelle Romane Orange, j'ai 14 ans et je monte Cavard des Monceaux. Je m'appelle Jeanne Irel, j'ai 13 ans et je monte Armène du Costil. L'ambiance elle est plus spéciale que les autres CSIOP parce qu'il y a beaucoup plus de spectateurs et de personnes qu'on connaît et qui nous soutiennent. Et d'encouragement. Voilà. Ouais, ça nous donne envie de faire encore mieux quoi. Ah ouais, je te la prends pas, genre. Moi, une fois qu'elle est en piste, je suis comme ça. Pourquoi on a plus le bonnet, les vêtements? On mettra le drapeau sur le collier de chasse. Il vient de temps en temps nous aider un peu au paddock avec les coachs. Il aide les coachs à nous préparer, il nous rassure avant nos tours. Dès que Romain a rentré en piste, on aura déjà l'info du temps, on va essayer pas trop court ou pas. Ça, on regarde bien notre trajectoire, parce que ça va être tout seul. D'accord ? Dans les côtes c'est bien, après c'est plus de la un peu la pression à gérer par rapport au fait qu'on est en France. On voit bien les coachs ils commencent à douter 7-8. Mais c'est sympa, c'est ça qui en fait le charme. Vous mettez bien votre galop et surtout vous faites des courbes avec les poneys droits à la fin. La Coupe de France, c'est une vraie chance. C'est notre pays et on a toujours envie de bien le représenter. Donc c'est une vraie opportunité. C'est une fierté surtout de représenter notre pays. C'est vrai. On prend le temps d'être sans faute à la deuxième manche, tu vois, c'est plus aller, on n'en est pas loin maintenant, il faut aller refaire 3-0 dans le calme, pas besoin de pression, prendre le temps de finir et un petit peu plus confiance en nous parce qu'on n'en est pas loin. Sur celui-là, t'es arrivé au bout. Allez! Ah non, merde! Non, oh, c'est bien les filles, il y a des petites fautes et tout, avec pitié, mais après, il y avait du monde pour nous, pour nous regarder. Hein. On fait une barre de trop pour faire un barrage contre l'Allemagne, deux barres de trop pour faire une victoire. Mais par contre, dans la manière dont vous l'avez fait, dans la manière dont vous avez monté, c'était très bien. Il n'y a aucun regret à avoir, juste une petite amertume d'avoir fait une barre ou deux de trop.